Qualification et validation. Donc, ces deux mots, on les retrouve à tous les niveaux dans une usine pharmaceutique. Donc, généralement, on emploie le mot qualification pour les équipements et instruments, et le mot validation, on l'emploie plus pour les procédures et les procédés de fabrication, bien de contrôle. Donc, pour détailler un peu, donc, la qualification, c'est quoi? C'est une opération destinée à démontrer qu'un appareil ou bien un équipement fonctionne correctement et donne les résultats attendus. Donc, un appareil, par exemple un pH-mètre, quand il vous affiche pH d'une solution qui est égale à 8, donc vraiment, il faut être sûr que ce qui est affiché, c'est vraiment ces 8. Ce n'est pas 8,5, ce n'est pas 9 et ce n'est pas 5. Comment on peut le savoir? Par la qualification, tout simplement. Donc, la qualification, c'est une forme de maintenance, mais ce n'est pas une maintenance pour préventif ou bien curatif. C'est une maintenance obligatoire qui se fait généralement une fois par année. Chaque année, on doit qualifier des instruments. Sinon, la validation, c'est comme un, c'est-à-dire comme, c'est-à-dire, parfois on confond entre les deux, mais validation, c'est plus pour les procédés, c'est plus pour les protocoles, les procédures. Donc, c'est l'établissement de la preuve que la mise en œuvre de tout processus, procédure, protocole et tout permet réellement d'atteindre les résultats attendus. D'accord? Donc, on parle de validation par exemple, les processus de production. Tout ce qui rentre dans la production, c'est des processus validés. Les procédures de nettoyage, les méthodes d'analyse, les tests de contrôle in-process, les systèmes informatisés, tout ça, c'est des procédures qui sont validées. Donc, je vous donne un exemple. Par exemple, vous êtes dans un laboratoire de contrôle qualité. Donc, un laboratoire de contrôle qualité, on est dans un SQQ. Dans un laboratoire de contrôle qualité, on a un appareil qu'on appelle la HPLC. Donc, la HPLC, c'est-à-dire, elle est utilisée pour l'analyse, pour le dosage, l'analyse des produits finis. Même la matière première, la même chose. Donc, elle va vous donner un résultat. Elle va vous donner un chromatogramme. Donc, après avoir calculé le chromatogramme, par exemple, on a déterminé la masse d'un principe actif dans un médicament, la masse du principe actif, elle est égale par exemple à 495 mg, par exemple. Donc, comment je peux savoir que vraiment cette masse elle est juste? Comment je peux savoir? C'est ça la question. Donc, la première des choses, il faut déjà que l'instrument HPLC soit qualifié. C'est obligatoire. Il soit qualifié. Donc, l'instrument HPLC, il est qualifié. Il est qualifié une fois par année. Chaque année, on doit faire la qualification de l'HPLC. Donc, comment on fait? Ça ressemble à de la maintenance. Donc, généralement, c'est le fournisseur, celui qui a fabriqué le HPLC. Par exemple, la marque Waters. Donc, cette marque, donc c'est les ingénieurs de Waters qui viennent. Ils vont vérifier que l'instrument fonctionne correctement. C'est-à-dire, ils vont faire vraiment une étude approfondie de l'appareil. Ils vont faire des tests et tout. Une fois que c'est terminé, ils vont donner un certificat de qualification. Donc, une fois qu'il est certifié, qu'il est qualifié, pour une durée de 12 mois. Donc là, on sait. Donc là, je sais que l'instrument, il donne des résultats conformes. Je sais que tout ce qu'il donne, il est conforme pendant 12 mois. Ensuite, quand j'ai fait l'analyse des produits finis, c'est une procédure, ce n'est pas une seule étape, c'est en différentes étapes. Par exemple, vous faites la préparation des solutions, vous préparez les solutions à différentes concentrations. Aussi, vous utilisez des colonnes, vous préparez la phase mobile. La phase mobile. Vous utilisez la température, vous utilisez le débit. Donc tout ça, c'est des paramètres qui doivent être établis au départ. Donc la méthode que vous allez utiliser, comme on a vu précédemment pour le produit fini, le paracétamol en comprimé, c'est une procédure qui est un peu complexe, qui nécessite différentes étapes. Étape 1, 2, 3, plusieurs étapes. Donc ces étapes, elles sont organisées selon une procédure et cette procédure, elle doit être vraiment, c'est-à-dire bien, elle doit être vérifiée. C'est une procédure qui est, on va dire, validée. Donc, comment je sais que la procédure, elle est juste, elle donne, c'est-à-dire elle va donner des résultats qui vont être conformes, c'est grâce à sa validation. Donc, toute procédure ou bien méthode d'analyse est validée. Donc,
L'instrument analytique, il est qualifié et la procédure suivie pour le dosage d'un médicament, elle est aussi validée. Donc, un instrument qualifié plus une procédure validée, forcément, le résultat va être conforme. Conforme, ou bien, bon, on va pas dire conforme, mais on va dire plus, le résultat, il est juste. Il est juste et précis. Et là, c'est-à-dire, ce qu'on a vraiment fabriqué et ce qu'on est en train de doser, c'est vraiment, c'est proche, c'est juste. Donc, quand vous faites l'étude de validation, c'est là que vous allez vraiment prouver que votre méthode, elle est juste. Généralement, en validation, vous avez des paramètres d'exactitude, de précision et tout. Donc, ce n'est pas le sujet de notre découverte. L'essentiel, voilà les deux termes qu'on utilise et qu'on rencontre toujours dans une usine pharmaceutique. Qualification des équipements et validation des procédures. Vous avez même dans une unité de fabrication aussi, en fabrication, vous utilisez un réacteur ou bien un compresseur. Tout équipement qui rentre dans la production, il est qualifié. Par exemple, un équipement d'homogénéisation, il est qualifié. Et les procédures que vous faites pour fabriquer, c'est-à-dire comment on mélange, comment on pulvérise et tout, ça c'est des procédures qui sont validées. C'est des procédures validées. Donc voilà, soit en fabrication, soit en contrôle qualité, tous les équipements sont qualifiés et les procédures suivies pour faire la fabrication, la préparation, la pesée et tout, c'est des procédures qui sont validées.